Eh ben, on va boire de l'eau. C'est mieux que... qu'autre chose. Bien... Oh non. Oh. Oh. Oh non. Oh non. Au revoir, au revoir. On va arrêter là. Au revoir. Bienvenue. Apparemment, on a un temps tout pourri. On a un temps tout pourri. Donc, la dernière fois... On va passer un peu de temps. Hein. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Et donc, bienvenue à Milton. Nous sommes à Milton depuis 3 jours, je crois. 4 jours, un truc comme ça. On pourrait le regarder, en plus. On peut le voir. On est à 120 jours. Du découvert. Genre, on pourrait voir la maison de Milton. Banque. Ancienne école, maison de Milton. 111. Ferme paradis. Caverne. À peu près... Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait beaucoup, hein. On a passé beaucoup de temps à Milton. Enfin bref. Tout ça pour dire que... map. Donc, la dernière fois. Dernier épisode, on est allé voir l'église. Donc, ça s'est très bien passé, tout ça. On a même eu un loup et un cerf. Donc, on a pu récupérer toute la viande et la mettre à la maison de Milton. Hein. Donc, on a une bonne réserve de nourriture. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Après, on a continué. Donc, on a découvert le mobilhome avec l'établi. Il y a un établi là-dedans. C'est bête, il faudrait vraiment un outil. Bon, outil, oui, ça peut se traduire comme quoi on aurait aussi l'établi. Ça voudrait aussi définir un établi. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un symbole pour dire établi. Ça aurait pu être pas mal. Enfin bref, dans tous les cas, on a trouvé la grotte. Donc cette grotte-là, je crois que c'est la grotte qui mène donc à la vallée de la rivière Calme. Je fais l'épisode en avance, donc du coup, si jamais quelqu'un me l'a dit en commentaire, je suis désolé. Et après, on a continué sur le chemin. Il faudrait qu'on dessine cette partie-là, je veux voir un peu ce qu'il y a. Et on a continué, on est tombé nez à nez avec un ours. On est tombé vraiment, mais alors nez à nez avec un ours sur le pont. Et après, on est allé dans cette grotte-là, elle est ressortie ici. Puis après, on est retombé sur Milton, en fait. On a fait un grand tour, donc ce qui est pas mal. Mais on peut pas aller dans l'autre sens, on peut pas monter, en fait. C'est embêtant. C'est vraiment bête qu'il n'y ait pas de moyen pour remonter. Enfin, bon. Donc maintenant notre optique va être de retourner là. Faut qu'on fouille un peu plus le terrain parce qu'on a été un peu embêté avec les loups, les ours, etc. Et après il faut qu'on donc tue l'ours, on récupère sa peau, tous les boyaux aussi, pourquoi pas. On va tous les mettre ici au mobilhome et la viande aussi, on va la récupérer, on va la mettre au mobilhome. Le mobilhome sera le mobilhome avec les outils, avec l'endroit là pour faire les flèches et tout ça. Ça sera l'endroit où on... Ça sera notre deuxième camp, voilà, ce sera notre deuxième camp. Et comme ça, on pourra en profiter pour aller dans la grotte directement. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble un peu au lac mystère où il y a la cabane du trappeur à côté de la grotte. C'est un peu la même chose, là, au final. Donc voilà, donc quand on voudra changer de zone, une fois qu'on... Parce qu'on a fini, honnêtement, on a plus ou moins fini Milton, il y a juste ça à faire, le coup de l'ours et tout ça, puis après on a fini. Après, on pourrait toujours redescendre ici, par exemple, et aller fouiller sur la droite, mais je sais pas si la zone est très grande. Je pense pas que la zone soit extrêmement grande, parce que tout est bloqué, en fait, ici. Genre, c'est tout bloqué. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à visiter, là. Je suis pas trop sûr, mais je pense pas. Mais dans tous les cas... Comme je disais, ouais, on va finir ça et puis après on pourra changer de zone, honnêtement. Bon, par contre, on a un temps de merde. Il n'y a pas des rideaux à déchirer. On va passer le temps. Hein. On a la chaise là qui est derrière moi, là qui m'embête, cette chaise là, mais on peut que la casser avec la hache. Et depuis le début qu'on est arrivé, en fait, on n'a pas utilisé une fois la hache. Ni le couteau, et je voudrais que ça reste comme ça, honnêtement. Donc on va essayer d'éviter de les utiliser au maximum. On a trouvé qu'une seule pierre à aiguiser, je crois. Ouais, qu'une seule. Donc c'est pour ça. Alors, je suis en train de me dire, peut-être qu'on devrait prendre des bois et déjà les déplacer. Mais bon, les bois sont pas très lourds. Ouais, quoique... Là, on a les boyaux. Est-ce que pour réparer les vêtements, il faut être dans un établi? Non, hein.
Non, faut pas être dans l'établi. Oh, on a fait tout ici, j'avais même pas fait gaffe. Faut pas être dans l'établi, donc on peut les réparer où on veut. Donc les vêtements, c'est pas important. On pourra récupérer la peau de l'ours ici, la mettre là. Par contre, les bois, ouais, les bois, c'est pas vraiment utile de les garder genre à la maison. On pourrait directement les mettre là-haut. Ça fait 5. Boulot séché, c'est bien les... Parce qu'à chaque fois, je préfère vérifier pour être sûr. Parce que sinon, je vais faire de la merde. C'est bien boulot séché. Donc, ça nous en fait 3 à chaque fois. Donc, ça ferait 15. Est-ce que 15 est suffisant? On était arrivé avec combien de flèches, nous? On a 6, 7. Je crois que c'était 10. On aurait dû prendre des têtes de flèches en plus. On en a 5 encore là. 9. Non, c'était 15 alors. Ah ouais, non, mais c'est largement suffisant en fait. Ah oui, non, c'est largement suffisant en fait. Parce qu'on a, on a encore des flèches de côté. J'avais complètement oublié ce truc là. On a le marteau. Le marteau, on va le laisser là. Je suis en train. On va faire des transferts. On va faire un peu de transfert là-bas. On va faire un tout petit peu de transfert. On a les flèches, on les laisse là, celle-là. On a ça. Après, c'est pas méga loin, hein, mais c'est pour éviter de faire des allers-retours. Non, ça, on va les garder là. De toute façon, les coutures, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... d'établi. Pourquoi je prendrais du tissu en fait? Oui, pourquoi je prendrais du tissu? C'est parce que le tissu... on a toutes les maisons de Milton autour, donc le tissu, on n'a pas besoin de le garder. Ok. Le tissu ici, genre, là où on est, si on a vraiment besoin de tissu, on n'a qu'à faire toutes les maisons de Milton et on va ressortir avec une centaine de tissus. Donc il n'y a pas de problème. J'ai envie d'aller ramener du bois, moi, là-bas. Là, combien, une quarantaine de kilos. J'ai même envie d'aller mettre du bois là-bas. Bon, on va voir un peu. Je pense qu'on va avoir beaucoup de vent et tout ça. Ça me fait un peu chier. Ah, j'ai pas pris de viande. Ah, quoique, on prendra la viande à l'église. On prendra la viande à l'église. Donc, le but, c'est de... C'est de... aller laisser, en fait, des... Genre du tissu, des ustensiles, les bois et tout ça, on va les laisser donc à l'établi. Pourquoi? Parce que du coup on pourra travailler là-bas directement pour passer le temps si on veut. On va laisser aussi du tissu, pourquoi? Parce que comme j'ai dit, le tissu on n'a pas besoin d'en avoir énormément dans la maison parce qu'on a toutes les petites maisons en fait
2000 tonnes. Donc on va les laisser là-bas si jamais on doit faire raccommoder avant de partir. Parce qu'on va partir en fait dans la nouvelle zone à un moment ou à un autre. Donc j'envisage en fait, je prévois déjà. Donc on aura ça, après on va récupérer donc la viande de l'ours. On la mettra là-bas. Ah oui, ça c'est le cerf et tout ça qu'on avait découpé. Ouais. Non, on est bien là. On est bien ce qu'on fait là. C'est bien. C'est très bien. On a pris les têtes de flèche, on a pris les plumes. On va mettre un peu de thé aussi là-bas, c'est pour ça que j'ai pris des choses préparées déjà. Ah, il fait pas extrêmement froid. On avait des bois à l'intérieur. On va récupérer les bois. Non, ça va. Honnêtement, on est bien. Là, j'ai bien un plan en tête. Ok, très bien. Même si ça a l'air un peu confus, vous inquiétez pas. On a un plan bien précis en tête. Et on sait quoi faire. Ah aussi, pour ceux qui sont pas au courant, donc depuis un moment maintenant, j'ai commencé à... Vu qu'on est sur le chemin, on n'a pas grand-chose à dire, vu qu'on connaît le chemin. Je commence à streamer sur YouTube. C'est une bien meilleure qualité, c'est beaucoup plus pratique que Twitch en fait, enfin surtout pour moi. Donc voilà, maintenant je stream sur YouTube à la place. J'ai fait une vidéo et tout ça pour expliquer, allez la voir à la limite si vous voulez vraiment tous les détails de pourquoi. Mais c'est fait, c'est comme ça. Et il y a un système de membres, c'est un peu, c'est comme être abonné sur Twitch en fait, c'est des souscriptions par mois. Il y a plusieurs niveaux, on peut créer plusieurs niveaux, j'ai fait 3 niveaux personnellement. Les niveaux en plus c'est nous, c'est les détenteurs de la chaîne en fait qui les choisissent et qui mettent le prix et tout ça. Enfin il y a des prix déjà prédéfinis, vous choisissez évidemment. Et il y a 3 niveaux pour moi. Et genre j'en ai mis un le basique où on récupère par exemple les émotes, le badge et tout ça. À 3€, à 2,99€ pardon, 2,99€. Et après j'ai fait un deuxième tiers à 4,99€ et après le troisième tiers à 9,99€. Et donc le premier tiers, comme j'ai dit, c'est pour récupérer badge, émote pendant le chat. Et on peut aussi, ceux qui sont abonnés peuvent parler si jamais je mets le chat sur abonné seulement. Tout va bien, enfin je crois. Et après, ce qui est bien en fait, c'est vu que c'est tout YouTube et tout ça, c'est tout est lié. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est des vidéos. Ah, voilà, j'avais bien entendu un truc. Un cerf. C'est tout est lié à YouTube. Et du coup, en fait, on peut par exemple mettre des playlists et des vidéos par rapport aux membres et tout ça. Genre certains tiers en fait, certains niveaux de membres peuvent avoir accès à certaines vidéos et qui sont. Genre pas pour le public et tout ça, c'est vraiment bien fait. Honnêtement, leur système pour YouTube est extrêmement, extrêmement bien fait. Et la qualité des streams et tout est vraiment magnifique comparé à Twitch. Parce qu'en gros, il n'y a pas vraiment de limite pour les kilobits, secondes et tout ça. Vraiment cool. Et ce que j'ai fait en fait, parce que vu que j'avais pas trop de choses à offrir pour les différents tiers de membres, pour les membres genre par exemple les 4,99€, ce que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui aiment bien par exemple la série de The Long Dark, et vu que c'est 2 épisodes normalement donc chaque week-end, j'ai fait en sorte que par exemple ceux qui sont abonnés ceux qui sont membres pardon attendez, on va mettre le gros bois ici, ceux qui sont membres par exemple deuxième tiers peuvent avoir accès en fait directement à toutes les vidéos de The Long Dark en avance. Il y a la lampe là. La lampe, on va l'utiliser peut-être pour la grotte. Je sais pas trop. Donc on va faire ça. Ça, il faut que ça sèche. Donc j'ai fait en sorte que voilà, que les gens peuvent directement avoir accès aux vidéos
Donc il suffit juste de prendre genre la souscription pendant le mois et vous avez normalement accès directement à toutes les vidéos de la playlist. Donc j'ai commencé à faire ça, c'est plutôt sympa en fait, c'est un peu une façon de récompenser les gens en plus des émotes et tout ça quoi. C'est plutôt cool, je trouve ce système plutôt sympathique. On va mettre du charbon. 7. Qu'est-ce que je voulais remettre encore? Moi là, ça non, on va l'utiliser. Ah, les plumes. Et le tissu, on va en mettre 30. Ah, donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé de voir... Eh mince, c'est trop... Si jamais vous êtes intéressé de voir en fait tous les épisodes en avance ou faire une sorte de gros marathon, vous pouvez vous abonner. Vous n'avez pas besoin de rester abonné 3000 ans non plus, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Faire qu'un mois et après, dès que c'est fait, en fait, vous avez accès à toute la playlist directement. Et je pense que je vais essayer de faire ça plus souvent avec différentes séries ou des trucs comme ça. Ça va devenir un Netflix en fait, ma chaîne. Ça a fait marrer quand j'ai pensé à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Mais voilà, j'ai pas encore trop de... J'ai pas encore beaucoup de séries en fait. Pour l'instant, bah ouais, il y a que la série de The Long Dark vraiment qui reste, qui continue en fait et qui reste. Donc il faudrait que je trouve des nouvelles idées, ça pourrait être sympa. Une sorte de récompense encore une fois hein, aux gens. Donc ça peut être cool. Voilà, donc on a ça, 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 donc on va pouvoir faire les flèches. On peut même faire les fûts de flèches maintenant, si on veut. On a du bois pour faire le feu. On fera le feu... on fera le feu après, quand on aura tué l'ours, en fait, quand on aura récupéré l'ours. J'ai envie de poser ça là. Voilà, on est à 36 kilos. C'est lourd en fait. J'ai envie de déposer des choses. Parce que il va falloir qu'on transporte le... Qu'on transporte l'ours. Le sac de couchage, on va aussi le laisser. Ça, c'est presque 2 kilos l'âge quand même. On la garde toujours sur nous, on l'utilise pas, hein, je veux pas dire. Mais... Bon, faut être prêt à tout quoi, mais... Alors ça, si jamais on doit faire de l'eau là-bas, parce que genre... Faut toujours penser au problème, c'est... Est-ce si on est jamais... Si jamais on est bloqué, voilà, en gros, c'est si jamais on est bloqué là-bas, il faut qu'on puisse se débrouiller. Donc on a de la nourriture et tout, ça va. Ça, on va le déposer, parce que je voulais en déposer un. Bon, déjà, on est à 30 kilos, c'est déjà mieux. C'est déjà un tout petit peu mieux. Voilà. Déjà, oui, on a perdu quand même pas mal de kilos, ça c'est bien. Donc on y va. Et on va faire l'ours. J'aime pas trop sortir sans le sac de couchage, je vais être honnête. Alors, on va... Faire attention là, parce que la dernière fois on avait vu des loups. Là ou là, je ne me rappelle plus vraiment. On va aller à droite, on va voir si on peut pas... Ah, quoique non, on va pas dessiner maintenant, on va juste regarder s'il n'y a pas des choses. Parce que dessiner ça va nous faire perdre du temps, et là on est en mission en fait. On est en mission. Donc ouais, je trouve ça plutôt sympa en fait le système de YouTube. Vraiment... Ça, c'est vraiment pratique. Il y a plein de petites choses. Par exemple, le coût des émotes. Moi, j'ai, comme j'avais expliqué dans d'autres épisodes, j'avais payé pour avoir des émotes et tout ça. Mais Twitch, en fait, met énormément de temps. Oups, il y a un cadavre là-bas. Met énormément de temps à regarder les émotes. Genre, si vous voulez les changer, des fois, il faut attendre genre 2 semaines. Parce que je suis à peine affilié, en fait, sur Twitch. Et du coup, il faut des fois 2 semaines pour que les émotes soient validées, alors que... Oh la vache, tout ce qu'il y a. Alors que YouTube, c'est immédiat. Donc, et à chaque fois qu'on a 5... à chaque tranche de 5, en fait, nouveaux membres,
Donc ceux qui prennent une souscription, on débloque un slot d'émote. Et il n'y a pas de limite en fait, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a vraiment pas de limite, on peut avoir une trentaine d'émotes, je prends en tout. Alors que Twitch, il y a une limite et il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi on a des corbeaux, il n'y a rien? Ou alors c'est là-haut? Les lapins. Ah, faudra vérifier ça, c'est bizarre. Je sais pas par où on passe. On va vérifier ça. On va aller poser les bois parce que là on a pris genre 2 kilos en plus. Donc désolé, mais on retourne à la maison. Ah. Et ouais, non mais rien que ça. Enfin franchement c'est nettement mieux. Encore une fois, Twitch, hein, si vous êtes pas... si vous êtes pas partenaire, c'est vraiment pas intéressant. Et le pire, pour moi encore, le pire c'était le coût. Enfin après je l'ai expliqué déjà dans la vidéo, mais... en gros, c'était la qualité des streams. Vous êtes très limité en fait. Si on n'est pas partenaire. Sur YouTube, il n'y a aucun problème. La limite, c'est la connexion. Bon. Donc vous pouvez mettre autant de... autant que vous voulez en qualité, vraiment. Ce qui est pratique pour moi aussi. Parce que des fois, j'aimais bien reprendre des morceaux du stream en fait pour en faire des vidéos un peu précises. Genre, j'ai fait ça sur pas mal de jeux. Genre en ce moment je l'ai fait par exemple sur Nioh 2 et j'avoue que la qualité elle est top quoi, il n'y a aucun problème, c'est pas une bouée de pixels, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas une bouée de pixels, donc ça aide énormément quand on fait les choses un peu comme ça. Le bois à la limite on devrait pas le mettre à l'intérieur, on devrait le déposer à l'extérieur parce que si je dis pas de bêtises on peut pas faire de feu à l'intérieur ici. Donc, à la limite, on va poser tout le bois à l'extérieur. À côté du baril. Très bien, on va... oh, 4 de trucs plus, quoi. C'est abusé. C'est vrai, c'est juste un peu abusé, là, tout ce qu'on récupère. Et même un arc, on va devoir faire, ok? Avant de partir, il faut même qu'on fasse un arc. Je crois qu'on peut en faire deux. Là, c'est le deuxième bois qu'on a comme ça. On peut en faire un deux. On va en faire un, je crois. Et on va laisser celui-là qu'on utilise là depuis le début. Il est à combien de pourcents? 78. Bon, après, il se casse pas vraiment. Il s'abîme pas parce que nous, on est niveau 5. Mais c'est vrai que ça nous aide aussi. Donc avant de partir, on refera l'arc, on fera nos vêtements. Comme d'habitude, hein, vous savez, hein, on fait tout le temps ça. Mais quand on partira de Milton, en fait. Quand vraiment on quittera Milton. Parce que dans la nouvelle zone, je pense pas que ça soit utile de... de refaire tout notre équipement avant de partir. Ah, très bien. Je dois bien juste me réchauffer, vite fait, parce qu'il fait pas vraiment froid, donc autant en profiter pour pouvoir rester à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Extrêmement longtemps. Tiens, ouais, je viens de penser. Est-ce que on refait nos vêtements et tout ça avant de partir là, à la vallée de la rivière calme, ou alors on le fait avant, après, genre quand on aura fini cette zone. Je pense qu'on aura fini cette zone parce que notre équipement est pas vraiment en très mauvais état. Je pense que ça serait plutôt une perte de temps, une perte de ressources surtout. Faut se réchauffer encore un peu. Voilà. C'est bon, on y va. Donc voilà. Et après, si vous êtes intéressé pour être membre, tout est dans la description, évidemment. Mais c'est vraiment bien, le système. Vraiment cool. Même les streams, honnêtement, on peut faire des rappels en fait. Est-ce que je suis sûr des fois que vous avez vu, vous qui regardez cette vidéo, vous avez sûrement vu des fois comme quoi il y avait écrit stream et après, si vous cliquez dessus en fait, le stream n'est pas lancé, mais vous pouvez faire un rappel en fait. Donc vous pouvez complètement en fait planifier vos streams comme ça. C'est vraiment vraiment pratique, vraiment vraiment bien.
Et ce qui est marrant, c'est que le chat, en fait, est enregistré parce que vous êtes... parce que c'est connecté à YouTube directement. Donc si, par exemple, quelqu'un écrit quelque chose dans le chat, ça sera enregistré. Et ça restera, en fait, dans le chat. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, par exemple, des fois, j'ai déjà mis des messages avant que le stream apparaisse. Ou alors, des gens sont venus et ont commencé à discuter. Mais ceux qui viennent après peuvent toujours voir les messages d'avant. Alors que dans Twitch, vous pouvez pas faire ça. Le chat est juste au moment où vous vous connectez, en fait. Juste au moment où vous êtes sur la page. Et si jamais vous faites refresh, bah vous perdez le chat complètement. Donc ça aussi, encore une fois, hein, Twitch est complètement à la ramasse. Ça a pas changé depuis, je sais pas, au moins 5 ans. Et ils font vraiment rien pour changer. De toute façon, bah, enfin, c'est comme d'habitude. Hein. À un moment, vous avez tellement d'argent que vous en foutez un peu de vous améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Les seuls qui essayent de s'améliorer et changer les choses, c'est ceux qui... C'est ceux qui... Qui ont pas encore réussi, vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que vous êtes au top, ça sert à rien de stresser ou de vouloir être mieux, ou alors de vouloir améliorer les choses. Ça qui est triste. Ça qui est triste. On a pas mal de champignons à récupérer, j'ai remarqué. Mais ce loup, en fait, nous fait chier. Hein. C'est pas la première fois qu'il nous fait chier comme ça. On aurait dû récupérer un peu de bois pour faire un peu de feu le temps qu'on découpe la carcasse. C'est bon, on l'a perdu. Donc, il va falloir qu'on trouve des petites branches. J'entends des corbeaux à droite. Ah non, c'est les corbeaux derrière. Alors je sais pas trop où il se balade l'ours, donc il va falloir faire attention à ça. Ok, donc on est à l'endroit. Bon, il y a des rochers et tout ça. Ça devrait pas être très compliqué. Je vois rien qui bouge. Ah! Il est là-bas. Okay. Même en bas, il y a plein de trucs à fouiller. Ok, donc il est là, ça y est. Il nous faudrait du bois. On va récupérer quelques branches. Après, on n'a pas besoin d'un feu très fort, parce que honnêtement, on a vraiment le bon temps là. Allez, on y va, on va se faire l'ours. Il est où? Il est là. Ah, il est loin ce con, hein. Ça va être chiant de le ramener. Hein. Ça va être très très chiant. Il est face à moi là? Est-ce qu'il approche vers moi? Il approche vers moi. On va attendre. On va attendre. On va se mettre à la voiture. On va attendre à la voiture. On va attendre qu'il soit à portée. Après, on fait feu à volonté. Et si jamais il nous fonce dessus, on a la voiture. On rentre dedans. Ça m'a l'air potable, là. C'est bon, il est mort. Honnêtement, je pense que j'aurais pas eu le temps de rentrer dans la voiture. Parce que le temps que l'animation se joue... Oh non, me dis pas qu'il y a du vent. Oh non. Ouais, est-ce que le temps que l'animation se joue,
Je pense que j'aurais peut-être pas eu le temps. Ah non, s'il y a du vent, ça veut dire qu'on va devoir partir et revenir après. Ouais, c'est bien là, son endroit. Et le corps de l'ours, il n'est pas protégé du vent. Oh. C'est Dame Nature qui est pas heureuse. Ça aurait été bien qu'il soit là en fait. On va rentrer. On va... Non, on a froid. On va rentrer à l'établi là. Un truc qu'on va faire, c'est si jamais on rencontre le loup aussi, on va lui mettre une flèche. Comme ça, on n'aura pas de problème. Parce qu'on va avoir, on va transporter de la viande, donc le loup va pas nous lâcher. Mais ça risque d'être extrêmement relou. Ah, j'aurais dû laisser le bois. J'aurais dû laisser le bois à côté de l'ours. C'est pas grave. On va tracer un peu parce qu'on va dormir. Bon bah ça va, c'est bien passé, deux flèches. Il est où ce con de loup là? Et des fois il traîne là. Derrière. Aussi pour gérer la direction hein, des sons que vous entendez et tout ça, tournez votre tête hein, évidemment. Et là il y a le cerf. Tournez votre tête hein, parce que vu que il y a que le son en fait vient ou de la droite ou de la gauche hein, si vous avez un casque. Du coup si c'est devant vous ou derrière vous, c'est un peu compliqué en fait pour savoir, donc tournez votre tête sur le côté évidemment. C'est bête hein, de dire ça, mais des fois les gens n'y pensent pas. Attends, il est où le bungalow là? Ah, il est tout là-bas, oh la vache, c'est vrai. Ça fait loin quand même. C'est comme dans... Il y a beaucoup de gens qui parlaient du son. Dans Escape from Tarkov. J'en avais parlé dans le dernier épisode d'Escape from Tarkov. On va en reparler encore un peu. Le son est très important en fait dans le jeu pour savoir où sont les ennemis et tout. Et mais beaucoup de gens qui disaient ouais, j'arrive pas à repérer tout ça, si ça vient de l'avant, de l'arrière. Et après, il y a des gens, bah oui, mais tourne ta tête. Mets ta tête sur le côté. Donc du coup, si ça. Si le son il est dans ton oreille droite, ben le truc il est devant toi. Si c'est dans l'oreille gauche, il est. C'est derrière toi. Il y a plein de trucs comme ça, par rapport au son que vous pouvez faire. C'est important. C'est important. Bon, on a encore un peu de viande. Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément, en fait. Donc, si on récupère pas l'ours, la viande de l'ours, bah oui, ça va porter problème. Est-ce qu'on a d'autres trucs à jeter? Non, on va juste dormir 2 heures.
Avec de la chance, le temps sera un peu mieux. Ça a l'air potable, rien qu'à l'oreille, ça a l'air potable. Alors on est à 29 kilos. Il ne faut pas énormément de bois, hein. C'est juste pour le 2 heures en fait. Il nous faut 2 heures de feu pour pouvoir couper. Et après on fait des allers-retours ici, avec les sacs de viande. Mais il nous faut 2 heures. Au moins, pour pouvoir couper la viande, la carcasse. Quoique. Non, parce que ça va être trop en fait. Si on a déjà récupéré du bois là-bas, on n'a pas besoin de prendre celui-là. Bah, pff, honnêtement, moins 2 degrés, on pourrait le faire sans feu. Honnêtement. On va pas le risquer, mais on pourrait le faire. Alors un truc que je suis en train de me dire, maintenant vu qu'on a la carcasse niveau 5, c'est quoi le mieux? Ça vaut. Je pense quand même qu'on gagne du temps à couper tout, à tout couper en fait directement, au lieu de faire un par un. Même si on est au niveau, je pense. Un truc qui pourrait être bien, c'est que je crois que c'est tout le temps 2 heures en fait pour couper les carcasses. Et il faudrait que ça se... Le loup il est là-bas. Hein, il crie aussi derrière. Il faudrait que peut-être que le temps s'abaisse, se réduise par rapport à ça. Genre que ça influe en fait sur les 2 heures. On va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc peut-être que je dis des bêtises. Oh putain, ça sert. Toujours là, les... Dans un sens, c'est pas mal si tu vas là-bas. Si jamais le loup te chope, on met une flèche au loup. Comme ça, on aura les deux morts direct. Ouais, on va continuer. C'est un peu dégueulasse de faire ça, mais... On va continuer à le pousser. Il va jouer le rôle de scout, ok? Là, on vient de team-up. Là, on est... Voilà. Le loup, il est juste devant. Ah, il est sur les traces. Ah, ça y est, il attaque. C'est bon, il l'a eu. On a entendu le bruit. C'était très fin le bruit, hein, mais... On l'a entendu. Il est juste là. Bon, bah comme ça, on a eu les deux. Enfin, on n'a pas encore eu les deux. Ah putain de merde. Voilà. Fou, j'ai stressé. Si jamais il fait bon sur le retour, on pourra peut-être prendre la peau du cerf. Prendre la peau du cerf en plus. Je crois qu'on a assez de bois. Là. Avec le petit stack là qu'on a devant, on est bon. Bon, faut pas qu'il y ait de vent. Et il y a du vent là. Je crois que c'est pas assez pour que ça tue le feu, mais... C'est un peu embêtant.
Mais ça va, sur le chemin, on risque rien. C'est déjà ça. Elle est un peu fatiguée, par contre. On a bien fait de se vider les poches, parce que là, on va prendre quand même des choses qui sont très très lourdes. Ah, je suis en train de me dire, peut-être qu'on va... Vu que la carcasse va être gelée, on va peut-être pas pouvoir... couper. Je sais pas, on va voir. On va voir ça. Faut qu'on se réchauffe. On est parti. Voilà. Ouais, non, ça change pas. Hein. Peu importe. Hein. Peu importe. Donc maintenant il faut réfléchir. Bon, le feu est bon. Genre là, 2 heures, on utilise par exemple la scie. Donc si jamais on prend genre la peau ça serait 20 minutes. Après la viande, ça serait à chaque fois 15 minutes avec la main. Mais après si on fait la scie, c'est 8 minutes. Non, c'est quand même mieux de découper directement, en fait. C'est quand même mieux. Comme ça, on pourra le faire à l'abri. Donc, la carcasse n'est pas complètement gelée. On peut le faire, on est d'accord. Une hachette ou un couteau pour découper une carcasse. Pourquoi ils me mettent la scie, alors? Ok. On est bon. On était à 100% du couteau, je vais voir un peu. 97, ça va. Ah, il reste encore du feu, très bien. On peut pas se faire des moufles, des gants et des chaussures en ours, là, en pied, là. Je sais pas si c'est possible. J'imagine que oui. Alors... Ça, après ça c'est des sacs à 10 kg à chaque fois. Alors déjà on va prendre ça. On est à 32, voilà, ça pèse pas grand chose. Maintenant 9,85 kg. Voilà. Je pense qu'on peut faire comme ça. On va avoir froid. On va peut-être laisser un sac sur le chemin. Alors les sacs... Alors je sais plus trop comment ça fonctionne les sacs. Je crois que les sacs sont plus lourds que ce qu'ils contiennent. Si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est l'inverse. Mais je crois qu'ils sont plus lourds que ce qu'ils contiennent. Genre là, on va pas avoir 10 kg de viande. On pourrait vérifier dans l'inventaire maintenant, mais on le fera quand on sera à l'abri. Ah, par contre, on est bien lourd. Ah, mais on n'est pas contre le vent encore. On va peut-être laisser un sac. Parce qu'elle va avoir froid. Je sais pas. Faudrait se protéger du vent. J'ai l'impression qu'elle est bloquée par le vent. Parce qu'elle marchait très vite. Enfin, elle marchait ok. Maintenant, elle marche un peu moins vite. Ok, maintenant il y a du vent. Ouais, c'est à cause du vent. Je sais pas si on va pouvoir le faire.